Bonjour et bienvenue à notre émission de littérature, le livre à la portée des mots. Cette semaine, on va parler de bande dessinée et ça va être fantastique parce que moi, je suis un grand amateur de bande dessinée. Avec moi, ma collaboratrice Pauline Lapointe, responsable des bibliothèques à la ville de Moussassini. Bonjour Pauline. Ça Bonjour. va bien? Oui, très bien. Oui. Et Mathieu Lalancette. Bonjour Mathieu. Bonjour. 12 ans, fan de bande dessinée. C'est une belle présentation, ça? Très Oui. bien. On va regarder ce que tu lis tantôt. On va commencer avec Pauline. C'est quoi le. Dans la bibliothèque, tu as une section de bande dessinée. C'est ça, oui. Effectivement, on a deux sections, pour ainsi dire, dans la bande dessinée. La section bande dessinée jeunesse et la section bande dessinée adulte. Mais Pauline, une bande dessinée, c'est pas un livre. Ni oui, c'est un livre. Donc, justement, pourquoi moi je tenais à ce qu'on amène à parler de la bande dessinée, c'est que souvent, le commentaire que tu viens de sortir, les parents ou professeurs vont dire à un jeune qui lit une bande dessinée, il lit pas des vrais livres. Et ça, c'est une vraie phrase. J'ai pas été chercher ça dans mon imaginaire. Moi, ce que je voulais par cette émission-là, c'est justement d'amener un jeune lecteur de bande dessinée, toi qui es un lecteur adulte qui aime la bande dessinée aussi, c'est de montrer qu'on peut. Tous les messages peuvent passer à travers la bande dessinée parce qu'on a des bandes dessinées historiques. Sur l'histoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a une collection qui est sortie de bandes dessinées où justement on est en mesure de voir tous les lieux historiques au niveau du Saguenay-Lac-Saint-Jean et d'en apprendre un peu plus sur les villes et villages environnants. On a la bande dessinée pour le plaisir de lire. Oui. Et là-dedans, on va avoir une bande dessinée comique, on va en avoir d'horreur. Tout est possible dans l'univers de la bande dessinée et ça ne s'écrit pas comme un roman. Et l'avantage qu'on a dans la bande dessinée, c'est de faire honneur aux illustrateurs aussi. Parce que Oui. c'est un métier d'être illustrateur. Donc, ça nous permet justement d'aller au-delà des mots, d'avoir des images et de voir en couleur ou en noir et blanc ou des choses complètement éclatées sur des sujets, peu importe le sujet. Quelque chose que j'ai entendu aussi beaucoup, on disait les bandes dessinées, c'est juste pour les enfants. Mais c'est pas vrai, C'est là. ça. C'est là qu'on se trompe. Au niveau du lectorat, au niveau de la bande dessinée, c'est qu'on va avoir, oui, effectivement, les enfants, mais ça, la bande dessinée va aller chercher plutôt le lecteur au niveau des hommes. On aime ça, nous autres, quand il y a des dessins. Les femmes en lisent, mais je règle générale, l'homme est plus porté à lire la bande dessinée. Puis au niveau physique, au niveau de la bibliothèque, parce qu'on fait toujours des rencontres au niveau de comment fonctionne l'initiation à la bibliothèque et la façon dont c'est placé physiquement, parce que tout est une question des fois de gêne au niveau de la littérature, c'est que quand on entre, si on regarde à notre droite, on a le roman, puis on a le documentaire adulte. Si on regarde à notre gauche, c'est le jeune roman, le conte, etc. Et juste dans le centre, quand on fait une visite d'initiation au niveau des enfants, je dis ça, cette section-là, c'est la bande dessinée. Puis faites attention parce que les adultes rentrent dedans pour aller vous voler vos jouets. Donc, dépêchez-vous de choisir ce qu'il y a de meilleur. Parce qu'effectivement, souvent, si on avait placé la bande dessinée un peu plus loin, il y a toujours un malaise, des fois, au niveau de la littérature. Et je pense qu'un peu, en gros, c'est ça que les émissions qu'on est en train de faire, c'est de démystifier tous les genres littéraires. S'il avait été mis un petit peu plus loin, les gens auraient peut-être été plus gênés d'aller chercher le dernier Astérix, d'aller chercher Garfield. Et par la suite, la bande dessinée elle a évolué énormément. Et c'est pour ça que ça fait peut-être 7 ans qu'on a une section bande dessinée adulte, où là, c'est de la littérature plus explicite, pas nécessairement au niveau de l'érotisme, mais au niveau des images. Les images peuvent être plus dures. Puis, comme on dit, aujourd'hui, on n'est plus à l'époque où on censure au niveau de la bibliothèque parce qu'on est un lieu de diffusion. Donc, on les met un peu plus à l'écart. Donc, le jeune qui va aller en choisir un là, c'est la bande dessinée comme telle, elle a une identification qui montre que c'est une bande dessinée adulte. Et quand il rapporte à la maison puis que le parent est outré de l'avoir, on dit, vous avez un droit de regard sur ce que votre enfant lit, Oui. que nous, on ne porte pas. Nous, le seul droit qu'on a, c'est justement de faire une différence pour que vous puissiez faire un choix éclairé. Ouais. Puis moi, je vais rajouter que au niveau de la bande dessinée, il y en a qui vont dire, ouais, c'est pas de la littérature, mais il faut se rappeler qu'il y a des bandes dessinées qui ont gagné le prix Pulitzer, entre autres Maus de Art Spiegelman, puis que je sais pas si tu connais Neil Gaiman, qui a participé au plus grand concours littéraire anglais avec une bande dessinée de 22 pages qui s'appelait Sandman, et il a gagné contre des romans de 600, 500 pages. Et les gens étaient outrés, puis ils disaient, oui, mais lui, en 22 pages, il a réussi à faire ce que personne ici n'était capable de faire. Puis, c'est vraiment un beau, beau médium, la bande dessinée. Merci, Pauline, pour tout ça. Mathieu, Oui.
Bon, Mathieu, c'est quoi, toi? Qu'est-ce qui t'a attiré à lire de la bande dessinée? Pourquoi ben, plus la bande dessinée qu'un roman, par exemple? Parce qu'il y a des images. Oui, t'aimes ça? Ben, puis je suis pas vraiment un grand lecteur de romans. Je trouve que c'est trop long à lire. Puis quand il y a des images, je trouve ça quand même assez intéressant. C'est quoi, qu'est-ce qui t'a accroché, là? C'est quoi tes séries favorites? Dans j'aime bien Kid Paddle. Hein, on va en montrer. Kid Paddle. Pourquoi Kid Paddle? Parce que c'est drôle et un peu violent. comme là, vous voyez une page qui est quand même assez un peu bizarre. Comme ça, c'est l'avatar de Kid Paddle, son personnage de jeu vidéo. OK. Et là, ici, on a un livre... qui est seulement du jeu de Kid Paddle. Là, il n'y a pas... C'est quoi? C'est les mêmes personnages, le contexte est différent. En fait, il y a seulement lui. Ça, c'est l'avatar, le jeu... Kid Paddle dans un jeu vidéo. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'est tout le long, ça s'appelle Game Over. OK. Là, comme vous voyez, au début, et maintenant, c'est ça qu'on fait. Alors, donc, là, c'est Kid Paddle qui joue, dans le fond. Mais il l'a jamais, c'est pour ça que le jeu s'appelle Kid Paddle, Game Over. L'affaire s'appelle Game Over, et il n'a jamais réussi... C'est bon. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Du même auteur, Midam, de Matt Frabéric, on a Greeny. Ça, c'est une autre vidéo, un autre film, livre très drôle. Pour commencer, en fait, ça, c'est le premier. Ah, ouais, je vais prendre le premier. C'est très... c'est le tigre vert parce qu'il est tombé dans une marée pleine de pollution. OK. Donc là, il a décidé de se battre contre l'environnement pour qu'on arrête la pollution et tout et tout. Messages sociaux, en fait. Ouais, un peu, oui. Et là, c'est Les Petits Diables. Ça, c'est un livre terriblement marrant, drôle. Oui. Parce que c'est deux frères et sœurs qui se battent. Ils s'aiment pas, là, disons. OK. Ils se font des mauvais coups. Tom. Le garçon, c'est lui qui se fait tout le temps avoir. Il fait... Des fois, c'est Nina, la fille, qui fait des mauvais coups. Mais, admettons, je vais prendre un exemple. Nina avait dessiné sur le mur. Puis, Nina, elle a donné le crayon à Tom. Puis, elle a dit « Ah, merci, c'est gentil, serait... » Puis, même la maman était derrière et elle a cru que c'était Tom qui avait dessiné sur le mur. Donc, il était puni. Ah ouais. Et là, elle écrit dans son journal « 1979e punition ». Pour mon gentil frère Tom. Et maintenant, on a du même auteur aussi, Duto, de Grippy, le chat des petits diables. Alors, dans ce livre, on apprend que c'est... OK, c'est le chat c'est le chat familial. Là. C'est le chat qui est aussi... peut faire quand même des affaires un peu bizarres. Le chat est quand même assez méchant, on peut dire. Mais il est très paresseux, donc ça fait pas vraiment grand-chose. Mais aussi, il veut se venger puisque les petits diables le maltraitent parfois. OK. Et ma BD favorite que je lis depuis que c'est sorti, grâce à ma mère qui m'a amené le premier livre, L'Agent Jean. C'est terriblement drôle. Il y a des livres. C'est un livre humoristique de l'auteur québécois Alex A. OK. Puis c'est quoi l'histoire? C'est un agent qui. Un agent secret? On parle d'agent secret? Oui, on parle d'un agent secret, un cerf. Qui son nom est Jean. OK. Il doit sauver le monde. Il sauve le monde 7 fois, puisque 7 tombes. Dans chaque livre, il sauve une fois. Et mon préféré est bel et bien lui, lors du retour du castor, l'ennemi juré de l'agence, qui est l'agent Jean. On voit ici, là. Oui, c'est justement lui. Il cherche à trouver pourquoi il a tué son père, mais en fait, il n'a pas tué son père. On retrouve le père de l'agent Jean dans le tome 4. OK. Ça, c'est mon deuxième favori, puisque ça brasse quand même assez. Est-ce qu'il faut les lire en ordre ou on peut en prendre un au hasard? Il faut les lire en ordre parce que comme il y a souvent à suivre, dont... on va aller voir dans le tome 7, à la fin. OK. Comme vous voyez, l'agent Jean va se faire tomber une affaire sur le dessus, mais on ne voit pas la suite et c'est écrit « à suivre ». Ça, est-ce que toi, quand c'est écrit « à suivre » comme ça, est-ce que tu es content parce que tu dis « il va en avoir un autre » ou tu dis « il faut que j'attende avant de l'avoir ». Il faut que j'attende avant de le voir. Ah ouais.
Oui. Et j'adore bien ce livre. Et lui aussi, c'est quand même un livre assez drôle. Comme on voit ici, il y a une autre affaire que j'aime pas encore. C'est une autre fin qui dit à suivre. OK. Rassemblez-vous et surtout préparez-vous, ma finale sera magique. Alors, je rage la plupart du temps pour dire faut encore que j'attende deux mois avant la sortie d'un autre livre. Et c'est pour quand le prochain? Oh, je crois pas avant le mois de janvier, février. OK, c'est pas super quand même. Des fois, là, on peut attendre des années pour avoir la suite. Ouais. Pour commencer, il avait dit une série de 3 tomes, mais on est rendu au 7e. Donc, parce que ça marche bien. Oh, et c'est une des BD les plus lues par les jeunes Québécois. OK. Puis, j'en suis un grand amateur. Puis, est-ce que, je sais, pour les gens de ma génération, ouais. Ce qu'on lisait, c'était Tintin, Astérix, Achille Talon, Boule et Bill. Est-ce que vous lisez encore ces bandes dessinées-là ou on est passé vraiment à une autre génération? Non, mais je connais encore de mes amis qui lisent du Tintin, du Snoopy, Charlie Brown. Ça a resté quand même un peu, mais c'est sûr qu'on lit beaucoup plus de nouveaux livres, mais oui. Mais vous connaissez les classiques quand même. Oui, on connaît Tintin très bien. On connaît très bien Charlie Brown, Snoopy, je peux dire que le dernier que tu as dit... Astérix, Boule et Bill... Astérix, Boule et Bill, ça se lit encore, mais il y en a qui se lisent vraiment plus. Là, Achille Talon, ça, ça te dirait? Non, c'est pas Achille Talon. Les Tuniques Bleues et compagnie? Non. Non, c'est pas mal les livres que je vous ai dit. Aussi, dans notre bibliothèque de l'école, on a des Tintins. Là, beaucoup de livres qui sortent aussi des Tintins. D'habitude, des fois, on a de la misère à en trouver. Ils partent souvent. Puis est-ce que des fois, à la bibliothèque, il y a des séries que les gens vont vous demander, puis par rapport aux bandes dessinées? Est-ce que ça arrive aussi, ça? Ou... Oui, on va avoir les demandes. On va avoir aussi les demandes au niveau des bandes dessinées, justement, la bande dessinée québécoise. Okay. Donc, dès qu'il en sort sur le marché, souvent, les gens vont nous les demander pour les avoir. Et c'est toujours les compléments de série. Donc, si dès qu'il y a un à suivre, c'est à partir de ce moment-là que les gens vont nous faire des demandes spéciales à ce niveau-là. Puis, est-ce que vous voyez un essoufflement dans le sens, par exemple, on est rendu au 6e tome, là, il faut que tu l'aies parce que là, tu as eu les 5 premiers, il y a des gens qui vont le lire, mais est-ce que ça l'amène des gens à recommencer la série au début? Oui, parce que souvent, si le jeune ou l'adulte arrive avec le 6e tome, si ça traîne dans son salon, entre guillemets, puis que les gens viennent le visiter, ils vont voir « Ah, qu'est-ce que c'est? » Oui, mais c'est parce qu'il y en a 6 autres avant. Ça fait que oui, ça va redonner le goût aux autres livres de pouvoir avoir de plus de prêts dessus. Puis au niveau de la bande dessinée, on a aussi en parallèle de ça les fameux mangas. Oui, donc, les mangas, c'est une mode, ça fait peut-être 15 ans maintenant qu'on l'a en bibliothèque. Donc, les premières fois qu'on est arrivé avec les mangas, c'est certain que les parents et l'école étaient réfractaires aux mangas. Mais il existe différents, justement, les mangas sont catégorisés, si on veut. Donc, il y a du manga qui s'adresse à une clientèle jeunesse, puis il y a du manga qui s'adresse à une clientèle qui est plus adulte. Et le manga, c'est du livre que tu consommes facilement. Oui, c'est donc, ça. C'est une des 3 grandes écoles, en fait, en bande dessinée, là, qui est l'école japonaise. Puis je pense que c'est dans les plus gros lecteurs de bande dessinée, les Japonais. Si je peux me permettre aussi, elle a dit, elle a dit comme, est-ce qu'on va recommencer la lecture, mettons qu'il en sort un nouveau? Ben moi, à chaque fois qu'il en sort un nouveau, je recommence à lire au complet. Ouais. C'est comme, mettons, je commence le 7 sorti, donc j'ai commencé par lire le 7. Après ça, je me suis tapé le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, mais tu commences par lire le nouveau avant quand même de revenir toujours, dans le passé. Oui, toujours. Après ça, je viens me remettre un peu dans la tête, puis après ça, il est tout frais. Après ça, c'est tout frais dans ma tête, puis Mais par exemple, si tu sais, si on hypothétiquement, là, le numéro 8 sortirait le 15 janvier, tu n'as pas le goût de commencer début janvier à recommencer du 1 au 7 pour qu'après ça, quand le nouveau est sorti, tu es déjà à jour? Non. Non? OK. Il attend toujours, puis quand je le vois sortir, c'est comme, mettons, des fois, j'ai rien à lire, donc je me dis, bon, je vais retaper la chargeur. C'est moi, je me tente pas. Il y a peut-être des personnes qui vont se tanner de ce livre-là, mais moi, je me tente pas. Je trouve que j'adore ce livre. Oui. Puis on sait aussi, parce que là, on parlait des écoles, l'école japonaise, en fait, le manga. Là, c'est beaucoup l'école européenne, en fait, là, les grosses BD cartonnées, etc. Puis la 3e école, c'est l'école américaine, qui, eux...
ce qu'on appelait souvent le comic book, c'était un 22 pages, puis certaines fois par mois. Fait que là, on était plus comme dans une série télé, où là, t'avais hâte. Puis ça comprend Marvel, DC Comics, donc c'est beaucoup les comics de super-héros, là, de Superman, Batman et tous les autres, là, dont on voit les films. Moi, je vais peut-être le faire un petit mot sur les bandes dessinées pour les adultes, parce qu'on a parlé des enfants, là, mais moi, j'ai commencé en tant qu'enfant, lisant chez le Talon et tout ça, les super-héros. Puis aujourd'hui, je lis encore beaucoup de bandes dessinées, puis il y a beaucoup de bandes dessinées pour adultes qui sont extraordinaires. Il y a une école, en fait, où on fait beaucoup des bandes dessinées autobiographiques, où les gens vont raconter leur vie. Entre autres, on peut parler de Marjane Satrapi, qui a fait la bande dessinée Persepolis, qui est extraordinaire. Elle a gagné le prix de la liberté d'expression pour ça. Puis ça dénote comment la vie est en Iran depuis la révolution islamique en 1979 jusqu'à aujourd'hui. Comment qu'un enfant a vécu ça, puis sa vie. On va avoir des gars comme Joe Sacco qui font beaucoup de bandes dessinées sur la Palestine, ou Guy Delisle, qui est un Québécois, qui a fait sur la Corée du Nord, entre autres, des bandes dessinées. C'est assez fantastique, en fait, comment on peut apprendre notre histoire, la réalité. Puis il y a les classiques, Maus, qu'on a parlé tantôt, qui a gagné le prix Pulitzer, d'Art Spiegelman, qui raconte, en fait, le génocide juif de la Deuxième Guerre mondiale. Puis il y a des séries très populaires, on le pensait, la série... En ce moment, qui marche à la télévision, Walking Dead, qui a ramené le zombie au goût du jour, ça vient de ceux qui ne savent pas d'une série de bandes dessinées. On est déjà rendu à la 23e bande dessinée qui s'appelle Walking Dead, écrite par Robert Kirkman et dessinée par Tony Moore. Et puis, je peux vous dire, si vous aimez la série, la série télé, la série de bandes dessinées est encore meilleure. Il y a aussi un gars comme Alan Moore, que je prise beaucoup, qui est un peu un dieu dans le monde de la bande dessinée. Malheureusement, il y a beaucoup de ces bandes dessinées qui ont été amenées en film, mais pas toujours avec succès, parce que des fois, on va changer. Mais je vais aller lire ces bandes dessinées. On a pensé à Watchmen, V for Vendetta, on a pensé à From Hell, de l'Enfer, la League of Extraordinary Gentlemen. Là, moi, je les ai lus en anglais, parce que c'était écrit en anglais à la base. Donc, beaucoup ça, Top Ten, il y a beaucoup de bandes dessinées extraordinaires qui sont faites pour les adultes. Est-ce que des fois, tu as le goût de rencontrer des auteurs de bande dessinée? Il y a des conventions, des regroupements? Quand tu vas au Salon du livre, là, est-ce que tu aimes ça, rencontrer les auteurs? Oui, j'adore. Je trouve que les auteurs sont vraiment smart. Puis aussi, comme Alexa, c'est j'ai acheté ce livre et il nous demande toujours un dessin. C'est lui qui te l'a fait, là. Oui, c'est fait par... Une belle dédicace. C'est fait par à la main, là. Oui. Par lui... Puis j'en ai un autre aussi, c'est lui qui me dessinait en fait. On va aller voir le robot qui me dessinait en fait, c'est lui. OK, oui, qui est dans la BD déjà. Oui, et vous voyez l'entité ici, on l'appelle l'entité, le petit bonhomme jaune. L'entité, le petit bonhomme jaune qui est là. Me l'a dessiné aussi dans le tome 7, mais malheureusement, j'ai pas eu la chance de le voir, c'est ma maman qui me l'a apporté. Oh, wow! On a un dessin pour Mathieu. On le voit ici dans la page. Puis souvent, les auteurs aiment ça. Dans les salons du livre, il y a toujours une bonne section aussi pour les jeunes, en fait, parce que c'est le public qui va continuer à lire et qui va développer la lecture. Quelle série est-ce que tu aimerais ça, faire de la bande dessinée? Parce que, je veux dire, il faut penser. Parce que dans la bande dessinée, souvent, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a on appelle la manière de raconter l'histoire. C'est des fois, tu n'as pas besoin de parler parce que tu vois les choses. Mais c'est tout qu'un art, ça, parce que entre le dessinateur et l'écrivain. Oui, des fois, ça donne, quand on lit des BD qu'on aime beaucoup, ça donne envie d'essayer d'en faire. Mais faut aussi qu'on ait un talent dessinateur. Puis, Alexa, lui, s'il n'y a aucun dessinateur, c'est lui qui fait. C'est lui qui écrit puis qui dessine. Oui, c'est lui qui écrit puis qui les dessine. Donc, en plus des dessins, je l'admire vraiment. C'est vraiment un bon auteur. Puis il dessine depuis l'âge de 8 ans, puis toujours resté. Puis ça fait très longtemps que la Jean-Jean existe. OK. Même il monte dans le tome 1. C'est depuis. La Jean-Jean a été créée en 1999, je crois. Mon Dieu. C'est dans un autre millénaire. Oui, ça fait. 1999. Il l'a dessiné en 1999 pour la première fois. Puis il l'a mis en livre, si je ne me trompe pas, 15 ans plus tard. OK. Donc, et puis toi, mais il ne faut pas que tu désespères, même si tu dessines pas bien, hein, parce que dans beaucoup d'écoles, en tout cas, il y a des cours de dessin. Oui, mais pas rien que ça, c'est qu'il y a des gens qui dessinent, puis il y a des gens qui écrivent. Puis moi, j'ai connu des dessinateurs
qui dessinait superbement bien, mais qui n'avait pas le talent pour raconter une histoire. Et souvent, ils vont s'associer avec des gens. Fait que peut-être que tu as des histoires à raconter que tu pourrais faire dessiner par quelqu'un d'autre. Peut-être, ouais. Ouais. Je peux dire que l'écriture non plus, c'est pas vraiment mon fort. Ouais, mais l'imagination, hein, on part d'une idée, puis tranquillement, on peut se rendre dans dessiner. Sinon, as-tu quelque chose à rajouter, Pauline, au niveau de la bande dessinée? Bien, moi, c'est ça. Comme je vous dis, ça fait à peu près le tour au niveau de ce genre de livre-là. Ça fait que pour moi, l'important, c'est justement, c'était d'amener peut-être quelqu'un à la jeunesse de nous en parler, puis de prouver qu'effectivement, dans le livre, tout à l'heure, tu étais en mesure de nous montrer qu'on peut apprendre historiquement ce qui s'est passé. Donc, on peut se détendre, on peut apprendre. Et j'aimerais beaucoup faire mentir que le livre, ce n'est pas un vrai livre. Oui, non, c'est certain. C'est vrai qu'on peut apprendre beaucoup, parce que dans les livres historiques ou autobiographiques où on va relater l'histoire, il y a même des bandes dessinées sur des chanteurs populaires où l'histoire de leurs chansons en bande dessinée, on est capable de faire plein de choses. C'est que c'est un peu, t'as raison, c'est un peu un piège. Hein? Là, tu lis pour te détendre, c'est ludique, puis en même temps, tu apprends des choses. C'est ça. Puis il y a beaucoup de séries historiques vraiment fascinantes, en fait. Là. Ou souvent, peut-être, le livre, ça va être plus austère, puis les gens ne seront pas portés à le lire, parce qu'on peut justement là, l'avoir de façon plus légère, ça va rentrer autant là, comme information, puis ça va aider à justement à entrer dans le monde littéraire, parce que ça peut être une porte d'entrée au niveau de la lecture. C'est justement en laissant libre cours aux jeunes à emprunter le livre, la bande dessinée, bien, il va apprendre à lire. Et peu importe, c'est lire 5 minutes, 10 minutes. On a déjà rencontré au préalable un professeur qui disait l'important, c'est de se donner des temps dans la journée de lecture. Donc, de la lecture, c'est n'importe quoi. Si on va, historiquement parlant, le fameux sélection du Reader Digest, oui, qui rentrait dans les maisons, mais cette sélection-là, toute la famille y trouvait son compte. Parce qu'il y avait des nouvelles, il y avait des recettes, il y avait des bandes dessinées, de l'horoscope, aussi, des farces et affaires un peu. On pouvait tout retrouver là-dedans. Donc, c'est un petit peu ça qui est important de savoir. Puis de justement, nos jeunes ne pas avoir honte d'en demander. Donc, quand ils viennent à la bibliothèque, s'ils ont entendu parler de quelque chose, parce que c'est important, peu importe le livre et peu importe l'âge que le lecteur a, c'est quand ils se présentent à la bibliothèque, nous, on a la fameux adage de dire « c'est le client d'abord ». Donc, oui, le jeune qui se présente, j'ai un jeune Mathieu qui se présente, qui a lu deux tomes de la Jean-Jean, bien, ça peut arriver que nous, au niveau des achats, on passe à côté parce qu'on achète aussi selon ce qu'on connaît, mais on ne peut pas tout connaître. Bon, bien, s'il parle d'en éditer un troisième, bien, nous, ça ouvre les horizons pour faire les achats par rapport à ça. Pour que tout le monde... Il sème la bonne nouvelle. Ben oui, donc, écoute, lui, il donne le goût de lire la Jean-Jean. En amenant les livres, en lisant, bien, peut-être qu'à côté de lui, il y a un jeune qui lit moins, puis de le voir lire ça, qu'il en parle avec goût. Donc, justement, on a envie d'aller lire la Jean-Jean. Bon, bien, il va contaminer aussi la jeunesse à lire. Donc, pour moi, c'était un bon agent de contamination, au niveau de la bande dessinée, que je trouvais important d'amener, justement, là, à parler avec nous. Puis c'est de démystifier toute la littérature. Moi, je vais terminer avec des coups de cœur de bande dessinée que vous pouvez peut-être lire. Là. Si vous aimez l'étrange, donc un peu peut-être le mystérieux, l'horreur, le fantastique, on va parler de Black Hole de Charles Byrne, qui devrait être en français aussi, qui est vraiment fascinant. Je vais vous parler de Stray Bullet de David LaPalme, qui est un excellent mélange entre les univers de David Lynch et de Quentin Tarantino. Pour les amateurs du genre, vous allez trouver votre compte. Et le plus merveilleux, Chris Ware avec Jimmy Corrigan de The Smartest Kid on Earth. Je sais que c'est en français, ça existe en français, mais parce qu'au-delà de l'histoire qui est extraordinaire, la présentation graphique, elle est unique et sublime à lire dans Chris Ware. Là-dessus, bien, merci les amis d'avoir été là. C'était très agréable de parler de bande dessinée avec vous. Et nous, on vous laisse là-dessus et on se retrouve la semaine prochaine avec Pauline et un nouvel invité et un nouveau sujet. On vous garde la surprise. Merci d'avoir été là pour le livre à la portée des mots. Merci beaucoup. Au revoir et bonne semaine. Les promenades en véhicule tout-terrain sont très agréables. Mais saviez-vous qu'elles peuvent être la cause d'incendies de forêt?
Lorsque le danger d'incendie est élevé ou extrême, il faut se montrer extrêmement prudent dans nos déplacements. Afin de diminuer les risques d'éclosion d'incendie, privilégiez les sentiers sur sol minéral. Évitez de vous promener hors des sentiers et ayez un extincteur à bord de votre véhicule. Lorsque vous vous promenez en forêt, du combustible léger peut se loger sur les parties du véhicule qui dégagent beaucoup de chaleur. À cet effet, n'oubliez pas de nettoyer le tuyau d'échappement et le moteur, car ils peuvent aisément mettre le feu au combustible léger qui s'y trouve. Dans vos activités, soyez prudents et faites votre part pour la protection des forêts. Message banal. Au Québec, chaque année, la SOPFEU recense plus de 150 incendies provoqués par les articles de fumeurs. Afin d'éviter qu'une simple balade en forêt tourne au drame, évitez si possible de fumer en vous déplaçant. Si vous désirez griller une cigarette, faites-le en prenant une pause. Pour vous assurer de bien éteindre votre cigarette, vous devriez la tremper dans l'eau, l'écraser dans le sable ou tout simplement l'écraser fermement sur la semelle de vos chaussures ou sur une pierre. Enfin, prenez soin de jeter allumettes et cigarettes éteintes dans les endroits prévus à cet effet. Cet été, dans vos activités, soyez prudents et faites votre part pour la protection des forêts.